Learn French with easy and simple short story. Titre de l'histoire: Le jardin magique de Pierre. Il existe un petit garçon nommé Pierre. Il a un jardin qui lui appartient. Chaque jour, il va dans son jardin pour s'occuper de ses plantes. Il a des fleurs de toutes les couleurs, des roses rouges, des tulipes jaunes et des violettes. Pierre aime passer du temps à s'occuper de ses fleurs. Il arrose ses fleurs tous les jours et s'assure qu'elles ont assez de soleil. Ses fleurs sont les plus belles du quartier. Un jour, son amie Marie vient le voir. Elle dit: « Pierre, pourquoi passes-tu autant de temps à t'occuper de ces fleurs? Ce ne sont que des plantes. » Pierre sourit et dit: « Mais regarde, Marie, mes fleurs rendent les gens heureux. » Quand il les voit, il sourit aussi. C'est comme si mon jardin magique répandait de la joie. Marie réfléchit à ce que Pierre a dit. Elle demande à Pierre si elle peut l'aider à s'occuper des fleurs. Pierre accepte. Et ils commencent à travailler ensemble dans le jardin. Au fil du temps, Marie découvre que s'occuper des fleurs est une activité amusante et gratifiante. Elle voit comment les gens viennent admirer les belles fleurs de Pierre. Et comment cela les rend heureux. Finalement, Marie comprend la leçon du jardin magique de Pierre. Même les petites choses que nous faisons peuvent apporter du bonheur aux autres. Elle réalise que prendre soin des plantes est une belle façon de répandre de la joie. À partir de ce jour, Marie rejoint Pierre tous les jours pour s'occuper du jardin magique. Et ensemble, ils continuent de répandre le bonheur autour d'eux. Morale de l'histoire. Même les petites actions que nous faisons peuvent apporter du bonheur aux autres. Prendre soin de quelque chose, que ce soit des plantes, des animaux ou des amis, peut créer de la magie dans nos vies. Question 1. Comment s'appelait le petit garçon dans l'histoire? Question 2. Que faisait Pierre dans son jardin chaque jour?
Question 3. Qui est venu rendre visite à Pierre? Question 4. Comment Marie se sent-elle après avoir aidé Pierre dans le jardin? Question 5. Où Pierre et Marie travaillent-ils ensemble ?